Wesh la famille, c'est Adam et Bilal, j'espère que vous allez bien la famille. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, où on va faire 24 heures monotées à mon frère. On va être 24 heures monotées ensemble, vous allez être avec nous toute la journée. Donc je te propose de mettre les menottes. Maintenant tout de suite. Voilà, on va se sceller. Pendant 24 heures, vas-y donne. Unis pendant 24 heures, je vais avoir son gros corps. Regardez, c'est des menottes lambda. En vrai, on va tuer notre journée à faire ça, mais vas-y, on le fait pour vous la famille. Je mets la gauche, tu mets la droite, c'est ça? Bah non. Bah tu mets la droite, on est à droite, voilà ici. Et moi je mets celui-là. Yeah. Ah ça fait mal. Ça serre. Ça y est, c'est trop tard. C'est non, ça serre. Tu crois que je vais rester comme ça toute la journée? Je vais avoir un torticolis. Mais tu l'as mis au... tu l'as mis au max toi aussi. Je vais avoir un tortillé. Serre jusque là. Un tortillé. Yeah. Oh, prends-le. A few minutes later. Voilà. Nous sommes... Ah voilà, qu'est-ce que tu dis pareil que moi? On est même... Tu pues de la gueule mon gars. On est... Voilà, on y va. Moi, tu vas le péter, tu vas le péter. Allez, on y va. On y va. Allez, on y va. Ok. Bonjour tout le monde. Donc là, on est dans la cuisine, qu'est-ce qu'on va faire? Je te propose de faire des donuts. Des bons donuts. Donc ça va être la hesse étant donné qu'on est menotté. Ça va être galère de couper. Donc c'est parti la famille, on commence les donuts. C'est parti. C'est quoi mon bras tout fin? Bah t'es pas musclé, c'est tout. Donc, pour la recette des donuts à l'américaine, façon américaine, vous aurez besoin de 250 g de farine. De farine. Deux œufs. Deux œufs. 40 g de sucre, du sucre en poudre. Du sucre vanillé. Sucre vanille, c'est ça? Non, mais dernière fois, tu me l'arraches comme ça. Et bien sûr, pour colorer nos bons donuts. Du colorant. Du colorant alimentaire. C'est quoi dans la cuillère? Une cuillère à café de levure boulangère. Il y a de la... Bon, bref, vous irez voir vos darons. Et du sel, c'est ça? Et du sel. Donc voilà. La famille, on y va. Donc, Adem. Attends, j'ai oublié, c'était quoi la recette? Ah c'est la hasse incroyable. Ta gueule. C'est quoi, on met tout dedans? Vas-y, mets là la cuillère de sel. Vas-y, on met. Il renverse à côté. C'est le sel. Vas-y, ça va être la galère. Vas-y. Vas-y, mets la levure boulangère qui est tombée à côté. Sucre vanille. Vas-y, ouvre-le. Vas-y. Bah, je mets tout. Tu fais quoi? Rien. Je mets tout. Oui, mets tout. Bah non, mais. Ok, sucre vanille. Enfin, fallait pas faire ça. C'est pas grave. C'est pas grave, vas-y, mets tout. Mais c'est quoi cette recette? C'est pas grave, vas-y, casse les deux œufs. Je casse un. Attends, j'ai peur de faire de la merde en fait. Là, on fait les malins, mais. Bah, je coupe, tu pues de la gueule, vivement le donut. Tu me gênes, j'en ai marre là, déjà. Je capte l'œuf. Je capte l'œuf, casse l'œuf. Ok, mon gars, oui, casse l'œuf. Attends, je crois pas en fait. N'importe quoi. Mais il est cassé là. Vas-y, casse-le. Attends, je sais pas, faut que je revérifie la recette. Bon, vas-y, hey, on va faire les beignets, on va faire la pâte. Bon, vous savez quoi là, ça m'a saoulé. Vas-y, casse-toi. Toi, dégage. Et on va pas faire ça. Ah, vous savez quoi, on va essayer de terminer. On va essayer de faire la pâte tranquillement. Je vais être dans mon coin, comme ça, je veux le faire. Et lui, il va me regarder parce qu'il sait pas cuisiner. A tout de suite quand la pâte sera terminée. A few moments later. Après un long travail acharné, on a réussi à faire la pâte. Regardez, on a travaillé dans un chantier. Ouais, j'en ai même sur la tête. J'en avais marre, c'était hyper dur à travailler. La pâte, elle était morte, on l'a récupérée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer tout ça et on va là tout de suite se retrouver pour d'autres activités. Donc pendant que la pâte à donuts est en train de se faire, nous on va faire un petit peu de foot. On va s'amuser un peu en faisant du football là-bas, dans le jardin. Voilà, donc c'est parti. Donc là, on a le ballon. Donc le but du jeu, ce sera de se dribbler avec les menottes. C'est parti. Attends, c'est enlevé. Voilà. Voilà, si il a gagné dans mes bras. Ouais. Donc là, j'ai le ballon. On va essayer de mettre une frappe dans la cage. Regardez la cage là. Montre-leur. Voilà, on va mettre une frappe. On recule. On va mettre un coup franc. C'est qui tire, toi ou moi? Nous deux en même temps. Nous deux en même temps. Vas-y, t'es chaud. Putain, avec les menottes, ça va être chaud. Donc 3, 2, 1. Pourquoi ça m'a mis une laser? ADM. Ah, mes bras ils se sont emportés en fait. On a failli péter les menottes. A few minutes later. Donc retournons à nos moutons.
Donc là, regardez, on a du glaçage bien blanc. On va le transformer en rose pour les donuts. On mettra par-dessus. Donc il faut 3 gouttes de rouge. Comme ça, ça fera des donuts à la Homer Simpson. Je vois. Voilà. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Et une bleue, c'est ça? Une goutte de bleu. Appuie. Une voilà. Bleue. Vas-y, tiens-moi ça. Et après, tu mélanges. Et là, je mélange. Regardez ce que ça donne, le mélangeage. Montre ce s'il te plaît, maman. Ça fait du violet pour l'instant. Okay, ça fait un beau violet. Donc voilà, donc ça fait un beau rose. Donc on se retrouve tout à l'heure pour les donuts, quand on va mettre les donuts tac comme ça, on va les retourner et tout. Ah les donuts. Bref, à tout à l'heure. Bon, j'ai envie de faire quelque chose. Quoi? Suis-moi. Où est-ce que tu m'emmènes là? T'inquiète pas. C'est quoi ça? Ça, c'est des toilettes. C'est écrit toilettes. Oui. Et ben j'ai envie de chier sa mère. T'es sérieux? Tu rentres avec moi ou tu passionnes dehors? Le poteau. Allez, j'ai envie de chier. Ah. C'est comment Adem? Tu fais quoi? Je suis en train de chier. Ah, vous vous demandez sans doute pourquoi il y a de la badoie dans les toilettes? C'est parce qu'on a soif. Non, je rigole. Ouais, filme-moi. C'est parce que... Ah, ça pue la merde. C'est parce que... Ah, ça pue. C'est parce qu'on se lave les fesses quand on fait nos ablutions. Pour faire... Avant de faire... Oui, mais... En vrai, c'est pas bien de parler de... Tu parles de rien, ça pue la merde. Adem. Ça pue, ça pue. Attends, mais tu veux pas sortir? Attends, je me torche. One eternity later. Re la famille, donc là, regardez le donuts, on en a fait un géant, on a décidé d'en faire un géant. Je trouve que c'est mieux pour toute la famille pour couper des parts. Donc là, il y a la version miniature pour ma petite sœur, voilà, avec le coulis rose par-dessus. Donc c'est celui-là. Donc voilà, regardez, on va en mettre. Tu veux le mettre? Vas-y, mets-le, je suis pas pro pour ça. En fait, ça suffit pas d'être pro, t'as juste à étaler normal. Pourquoi tu le tords comme ça? Pour leur montrer? Bah oui, pour leur montrer. Maman, ramène la caméra ici, ils vont voir. Oui, parle-y à ta mère. Donc voilà, donc on va étaler tout ça, on se retrouve tout de suite. Donc voilà la bête. Un donut, exactement comme les Simpsons. C'est un monstre. Donc voilà, un géant donut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va le laisser pour ce soir. Ça y est, c'est fini, arrête de filmer. C'est nous là. Donc là on va aller faire une autre activité. Tu veux faire du trampoline? Vas-y, on va faire du trampoline. C'est parti. On va les casser, on saute en même temps. Oui. Oui, là c'est décollé le trampoline. On a pété le trampoline. Oh, le ressort. Attends, stop. Regardez, j'ai pété. Enfin, je pense que c'est à cause de moi que regardez, j'ai pété. Regardez, c'est à cause de son gros corps là. En fait, ça c'est ici. 90 kg Fahrenheit. Et ça s'est carrément arraché du trampoline, le ressort. En vrai, ça aurait pu blesser ma mère, hein. Ça a été hyper dangereux. Donc on arrête de faire du trampoline, je pense qu'on va sortir avec nos potes. Donc si vous voulez venir avec nous, on y va. Donc là, la famille, on est au stade avec nos amis. Donc là, on est en train de faire du football. On voilà, regardez, quoi. On a le ballon. Je vais mettre une frappe à ce gros porc qui est dans les buts. Je rigole. Vas-y, tire. Vas-y, je te mets une frappe. Pour en même temps, Adem. 1, 2. Wesh, il est rentré. Ouais. Voilà, donc on va continuer à jouer avec nos potes et on se retrouve tout à l'heure à la maison. 3 hours later. Re la famille, donc là on va déguster le donut, hein. Franchement j'en ai marre d'être menotté à lui ou sinon. Dernière partie de la vidéo. Ouais mais franchement tu m'as saoulé aujourd'hui, j'en avais marre de voir sa gueule, il était tout le temps à côté de moi. Pour moi le pire moment c'était au chiotte, ça puait la merde. Bon bref. On va manger pas de caca. On va attaquer la bête, regardez comment il est magnifique. T'es obligé de faire une petite dégustation. Donc vas-y, bouge en même temps que moi. Vas-y. Mais non, j'ai pas besoin de bouger, je suis en bouffé. Je sais. Allez, pouk, j'ai faim. Mais c'est juste pour déguster. Vas-y, prends ta part. C'est ma part, ça? Oh là là. Vas-y, je coupe ma part. Regardez-moi ça. Oh lolo, le Monster Munch. Oh, on va tous les capturer. Ouais, ta gueule. Regardez. C'est un monstre de puissance. Donc, sans plus attendre, la famille, on va goûter. Bismillah. Le donut fait maison. Bismillah. Elle a vie de ma mère, hein. Vous voyez les donuts qu'on achète dans les fast-foods, même ils coûtent cher là. Eh, c'est le meilleur donuts que j'ai jamais mangé de ma vie, Adem. Eh, je vous jure, la vie de moi, hein, il est vraiment trop bon, je suis choqué. Ouais, je suis choqué. Ça fond, c'est... je m'en étouffe. Bon. C'est hyper bon. Le glaçage, il est trop bon. Franchement... Je suis satisfait de nous. Je lui mets 30 sur 10. On a passé un bon 24 heures. C'est en fin de journée là.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les menottes, comme c'est la fin. 3. On va se sauver enfin. 1. Oh. Ah, merde, pas moi. Ah, oh. Allez, casse-toi, on en veut plus. C'est terminé. Oh, je suis rouge ici. Franchement, ça fait grave du bien de plus être collé à lui. Là, il m'a saoulé. C'est, ah, c'est la fête. Donc, franchement, la famille, si la vidéo vous a plu, si on vous a donné envie, si partagez à tout le monde. Si vous avez kiffé le 24h monoté, notre journée comme ça, un petit peu, les meilleurs moments de la journée qu'on vous a filmé, mettez un gros pouce bleu, partagez la chaîne, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos vidéos, c'est très important. Hein, Adem? Ouais. On va se laisser là, la famille. Partagez la chaîne à vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem Yves. C'est la famille.